L'ami, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 3 de l'épisode 2 pour terminer cette série sur mon moteur qui était malade, entre guillemets. Donc, on a contrôlé le bas moteur, on n'a pas vu grand chose. On a contrôlé aussi les internes, pas grand chose non plus aussi. Donc là, on va s'attaquer à la culasse. Donc, c'est la dernière partie du moteur qui me reste à contrôler. Et après ça, la série est terminée, on met le moteur de côté et puis on le ressortira lors du prochain projet dans quelques semaines. Déjà, avant de commencer, il faut savoir comment contrôler une culasse. Donc, généralement, il y a trois gros paramètres à contrôler pour savoir si la culasse est en défaut ou pas. Donc le premier, le plus simple, on va dire, c'est... Donc, la surface de la culasse, donc cette partie-ci, donc la planéité. Planéité, c'est quoi? C'est juste en fait s'assurer que la culasse soit bien plate au niveau de son plan de joint, donc le plan de joint de culasse. Donc pour contrôler ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous le faites vous-même, vous achetez, soit vous avez un marbre chez vous, un marbre, je vous laisse regarder sur net ce que c'est. Donc c'est une espèce de planche parfaitement droite. Il suffit de poser la culasse côté plan de joint sur le marbre et de passer une petite lumière en dessous entre le marbre et la culasse et voir si la lumière tout simplement s'y traverse. Après, il y a une deuxième solution qui ressemble aussi un peu à la première, c'est ils vendent des espèces de réglés pareil qui sont vraiment plats pour, et en fait il suffit de le poser comme ça à certains points de la culasse. Donc il me semble que c'est en parallèle, en diagonale comme ça et comme ça, tac 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 sur le long, et pareil une fois qu'il est posé, vous passez une petite lampe au niveau de la partie en contact et vous regardez si la lumière traverse entre les deux parties. Si ça traverse, c'est que la culasse elle est déformée et là vous êtes bon pour une rectification de culasse. Donc ça c'est pour la partie plan de joint de culasse. Après, il y a une autre partie aussi qui peut être défaillante sur une culasse, c'est l'étanchéité. Donc pareil, l'étanchéité, il y a plusieurs solutions. Donc étanchéité par rapport aux soupapes. Là, pour faire simple, vous mettez tout simplement un petit liquide ici, donc sur les câbles. Vous laissez 24 heures et vous regardez si ça a coulé à l'intérieur. Si ça a coulé à l'intérieur, c'est que l'étanchéité entre vos soupapes et le siège de soupape, donc le siège de soupape, c'est la partie où la soupape se pose, ça veut dire que c'est pas étanche. Et donc là, pareil, il faut enlever les soupapes, retravailler un peu le siège de soupape ou retravailler les soupapes et recontrôler. Et ensuite, il y a aussi une troisième cause possible de panne au niveau de la culasse, c'est l'étanchéité de la culasse elle-même. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'il se peut que la culasse soit fendue, ouais, carrément fendue à un endroit quelque part. Et donc là, il n'y a pas 36 solutions. Là, faut l'emmener pareil chez un rectifieur et il faut lui demander tout simplement de contrôler l'étanchéité de la culasse. Généralement, il le fait. Il le fait, mais en gros, alors moi j'ai vu plusieurs méthodes. La méthode que j'ai vue, que je trouve est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, ils mettent la culasse donc sous pression. Je sais pas, par exemple, ils la mettent à 3, 4, 5 bars et ils la laissent comme ça pendant un certain temps. Et au bout d'un temps, ils reviennent et si la pression n'est pas redescendue, c'est qu'ils estiment que la culasse, elle n'est pas fendue et qu'elle est bien étanche. Après, j'ai aussi vu d'autres méthodes où ils injectent un espèce de gaz colorant à l'intérieur, voir s'il ne ressort pas à travers des orifices éventuellement, etc. Mais généralement, je dis ça, je dis rien, mais la technique la plus classique, on va dire, c'est de mettre la culasse sous pression et de contrôler que la pression, justement, ne redescende pas. Donc moi, évidemment, dans l'état actuel des choses, ce qui va m'intéresser, c'est l'état des soupapes, l'état des sièges de soupapes, donc ça se passe en dessous, les soupapes, justement, et l'état des joints de queue de soupape. Les joints de queue de soupape, honnêtement, déjà, j'ai pas le matériel pour les retirer, mais je pense pas que ce soit la cause du claquement qu'on entendait. Honnêtement, les joints de queue de soupape, généralement, quand ils sont fatigués ou quand ils sont cramés, ça fait de la fumée bleue parce que ça laisse passer de l'huile. Du coup, l'huile se retrouve dans la chambre de combustion, elle est brûlée et ça sort bleu au niveau de l'échappement. Donc, à mon avis, les joints de queue de soupape, ils n'ont pas beaucoup de rapport avec le claquement qu'on entendait. Moi, ce qui va m'intéresser le plus, c'est surtout au niveau des soupapes, une fois que je les aurai démontées, voir si elles ne sont pas déformées ou s'il n'y a pas des petits impacts bizarres dessus. Donc, là, le but, c'est de retirer les 16 soupapes. Et pour ça, hop, tac, il va falloir. Donc là, vous voyez, il y a la coupelle de la soupape. Donc à l'intérieur, il y a deux demi-lunes. Donc les demi-lunes, elles servent à quoi? En fait, une fois que cette rondelle-là, elle est compressée, parce qu'il y a un ressort en dessous, une fois qu'elle est compressée,
pour pouvoir bloquer la soupape sur la rondelle, en fait, on met des espèces de demi-lunes. Et une fois que les demi-lunes sont mises, le ressort remonte et ça fait comme un espèce de cône. Tac. Et du coup, la soupape, elle est bloquée, elle est emprisonnée et elle ne bouge plus. Donc, le but, c'est de retirer ça. Par contre, pour retirer ça, j'ai pas le matos. Alors, je vais vous montrer généralement ce qu'on prend. Donc, voilà ce qu'on prend généralement pour retirer les soupapes. C'est ce qu'on appelle simplement un compresseur de ressort ou compresseur de soupape. Donc, en fait, ça marche comment? Donc, ici, il y a un embout où vous mettez le diamètre, donc qui correspond à peu près au diamètre de la rondelle. D'accord? De ce côté-ci, on met normalement une espèce de. Je l'ai pas, je l'ai plus dans la machine là. Une espèce de rondelle en fait qui va se mettre. Hop! Donc en appui sur la soupape qu'on veut démonter. Donc une partie en appui sur la soupape. Et l'autre partie en appui sur la coupelle ici. Donc en gros, ça donne ça. En gros, il y a une partie qui va tac comme ça en appui. Et l'autre partie, donc, qui va de là jusqu'à ici. Et en fait, le but, c'est tout simplement, avec un ensemble de vis, etc., de serrer, 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 serrer. Donc, plus on serre, plus ces deux parties-là, elles vont se rapprocher de là et de là, les unes des autres. Et au bout d'un moment, en fait, ça va serrer, 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 et ça va finir par compresser leur ressort qui est à l'intérieur. Une fois que leur ressort est compressé, donc le ressort il est là, une fois qu'il est compressé, tac à fond, vous voyez, on a un petit espace ici. Donc c'est là qu'on récupère les deux demi-lunes. Donc généralement avec un petit aimant, tac, on retire les deux demi-lunes. Et une fois qu'on desserre, hop, la coupelle remonte. Et voilà, la soupape est libre. Mais sachant que sur ce moteur, les ressorts sont renforcés, donc ils sont hyper durs à la compression. Ce pauvre compresseur de ressort made in China, de premier prix. Eh bien, une fois que j'ai commencé à essayer de démonter, parce que oui, j'ai déjà essayé de démonter, bah il s'est tordu tout simplement. Donc en gros, il est beaucoup trop faible pour la puissance des ressorts. Il en existe des vrais, hein, vraiment des vrais compresseurs de ressorts bien costauds, mais le prix, c'est n'importe quoi. Donc, pour l'usage que j'en avais, j'ai préféré pas en acheter, essayer avec un bas de gamme, ça n'a pas marché. Donc on va le faire avec une autre solution. Donc pour ce faire, on va prendre tout simplement une douille, pareil au niveau du diamètre, à peu près le diamètre de la coupelle. On va se mettre centré sur la coupelle. On va prendre un marteau et là, on va taper le plus fort possible, sec d'un coup, en fait, pour pouvoir libérer les demi-lunes de la coupelle, sans avoir à compresser. Donc, c'est une technique, je ne sais pas si elle marche, on m'a dit de faire comme ça. Donc, je vais essayer. Je ne sais pas si ça a marché du premier coup, mais en tout cas, on va essayer on va essayer de démonter comme ça. De toute façon, il est hors de question que je mette plus de 100 balles dans un compresseur de ressort qui va me servir très peu de fois. Donc, on va essayer comme ça. Et si ça ne fonctionne pas, bah tant pis. Donc là, je monte la douille, je l'ai scotché au bout. Pourquoi? Parce que si jamais les demi-lunes, elles veulent se faire la malle, eh ben, elles resteront dans la douille. Ça m'évitera de les perdre. Donc, allez, on s'installe sur une des coupelles. Et là, on va prier pour que ça fonctionne. Eh bien, les amis, je pense que ça va être plutôt compliqué. Je vais essayer sur une autre pour voir. Tac. Je vais prendre la troisième ici. Alors, je sens que ça se compresse, mais par contre, pour récupérer les demi-lunes, je pense que ça va être la misère. Alors, je vais essayer. Hop. Une autre partie, donc ici on va voir. Ah, les amis, je crois que j'en ai une. Ouais, je crois que j'en ai une belle. Regardez.
Ça a fonctionné. Bah écoutez les amis, je vais faire ça pour les 16, parce que oui, il y a 16 soupapes. Et après, si j'y arrive, je vous reprends après, et puis on va checker ensemble l'état des soupapes. Et si j'y arrive pas, bah je vous ferai la fin de la vidéo. Bon la mif, bah écoutez, j'ai réussi à tout démonter, tout est nu à peu près bien, donc ça va, les soupapes sont là, donc les grosses admissions, les plus petites échappements, les ressorts, les coupelles, et là dans les mains j'ai ce que vous parlez tout à l'heure, les demi-lunes. Alors vous voyez en fait, tac, elles sont pas totalement cylindriques, elles sont un petit peu penchées, ce qui fait que quand le ressort remonte, plus le ressort remonte, et plus ça se resserre au niveau du haut. Et arrivé en haut, paf, ça bloque. Et la soupape, elle est emprisonnée. Donc c'est ça les demi-lunes. Une à deux par soupape. Hop. Donc à l'intérieur, il y a... Je sais pas si vous voyez ici, là, le petit truc rond, là. C'est un truc en caoutchouc. Et bien ça, c'est le joint de queue de soupape. Normalement, il faut un matériel spécial pour le retirer. Pas forcément. J'aurais une pince longue bec, j'aurais pu la retirer. Là, j'ai pas ce qu'il faut ici. Mais en tout cas, les joints de queue de soupape, ils sont là. Tac. Pareil, un par soupape, hein, normal. Et ça, si des fois votre moteur il fait de la fumée bleue, ça peut venir de là. Un joint qui est cramé, du coup, l'huile passe à travers ce joint. Au moment où la soupape s'ouvre, l'huile rentre en même temps que le reste. Ça explose et ça sort à l'échappement bleu, parce que l'huile brûlée, généralement, c'est bleu. Voilà. Et de l'autre côté de la culasse, du coup, hop, alors là, ce que vous venez d'entendre, c'est toutes les demi-lunes qui sont tombées, et on s'en fout, hop, et voilà, du coup, on appuie les soupapes. Donc, les sièges de soupapes, c'est quoi? Bah, la toute petite partie brillante que vous voyez ici, là, tac, là aussi, on la voit, et ben, le siège de soupape, c'est ça. En fait, c'est l'emplacement. Vraiment l'emplacement pour la soupape. Donc là, quand vous regardez au bord, il y a une partie brillante aussi. Et ben, on va dire que les deux parties brillantes, elles se mettent comme ça, elles se chevauchent en fait. Tac. Voilà. Tac. Elles rentrent comme ça. Hop. Donc pareil, le jour où on va remonter ce bloc-là, on mettra des soupapes neuves. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ce qu'on appelle des rodages de soupape. Rodage de soupape, c'est quoi? C'est bah, prendre la soupape et en fait la faire tourner comme ça sur elle-même de gauche à droite, histoire qu'elle prenne bien la forme de son siège. Et si ça suffit pas, et bah, il faut rectifier le siège avant. Donc ça se fait avec un touret, pareil, c'est un peu technique. Je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce que c'est qu'un siège de soupape. C'est tout simplement l'assise de la soupape, on va dire ça comme ça. Bon, alors nous, ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les soupapes. Et effectivement, quand on les regarde, elles n'ont pas l'air... bon, il y a beaucoup de calamine, mais vraiment, elles n'ont pas l'air éclatées. Donc, si elles ne sont pas éclatées ni tordues, ça veut dire tout simplement que, de ce côté-là aussi, il n'y a pas eu de souci. Et donc, s'il n'y a pas eu de souci de ce côté-là, ça veut dire que je sais encore moins d'où ça peut venir. Honnêtement, ce moteur est un mystère. Franchement, ce moteur est un mystère. Limite, j'aurais aimé voir, tu vois, une soupape pliée ou
Je me serais dit, bon, ça a dû taper à ce moment-là, et clac, ça a plié, donc le bruit venait de là. Mais là, c'est pareil, comme pour les pistons, la vidéo précédente, c'est, enfin les coussinets. Il n'y a pas de... Ouais, elles sont beaucoup marquées par la calamine, mais je suis sûr que si je les nettoie, elles sont nickel, quoi. Franchement, ça se trouve, je ne saurais jamais ce qu'il a eu, le moteur. Alors après, j'ai d'autres idées, mais on va attendre de retourner dans le box pour continuer sur l'autre moteur, justement. Et je vous dirai un peu mes idées. Mais en gros, donc là, je suis sur les soupapes d'échappement les plus petites. Franchement, il n'y a rien, quoi. C'est un truc de ouf. Alors effectivement, si ce bruit-là venait d'une distribution décalée, et bien maintenant, je sais ce que ça fait que d'avoir une distribution décalée. Mais le bruit était vraiment, vraiment à l'oreille. Franchement, on entend bien que ça venait du bas, quoi. Mais là, les soupapes sont clean, elles sont sales. Enfin, elles sont calaminées, mais elles sont pas tordues. Il n'y a pas de forme bizarre dessus, d'impact bizarre dessus. Je comprends pas. Bah écoutez, ça se trouve, ce moteur va rester tout simplement un mystère. Ou alors le problème est ailleurs. Comme je vous l'ai dit, je pense à d'autres choses. On en parlera plus tard. Mais là, franchement, c'est nickel. Bon, et bien comme pour la vidéo précédente sur les coussinets, on va s'arrêter sur cette magnifique vision de toutes les soupapes démontées. Avec les ressorts magnifiques qui sont hyper durs. Je peux même pas les compresser à la main tellement ils sont durs. Regardez, en fait, c'est des ressorts qui sont doublés. C'est pour ça qu'ils sont renforcés, en fait. Et ça sert à quoi? Bah, généralement, ça sert à supporter les tours minutes qu'on met en plus, en fait, sur la gestion. Donc, sachant qu'à la base, ce bloc-là, il prenait 7100 tours. Et grâce, justement, à ces ressorts renforcés, eh bien, j'ai pu, ils ont pu préparer le moteur jusqu'à ce qu'il prenne 7500 tours. Donc 400 tours, ça paraît peu, mais en vérité, c'est énorme. Je suis sûr que c'est énorme. Et ça, c'est grâce à ça, au double ressort. Donc ressort renforcé. Bon, bah, ça y est, c'est enfin terminé sur ce moteur avec sa panne mystère que je ne sais pas du tout d'où ça vient. Mais peut-être qu'on trouvera la réponse. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, le bas moteur est plutôt clean, le moteur est plutôt clean, donc ça élimine déjà pas mal de choses. Pour les prochaines pistes, on verra ça à un autre moment. Donc, pour ce bloc-là, au final, dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas quand, on va complètement le remonter. Donc, on va aller le faire contrôler, on va le nettoyer, on va changer les soupapes, on va changer on appelle ça, j'ai oublié le nom, les joints de soupape, merci, on va changer ça aussi. Le moteur en lui-même, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va faire une métrologie pareil, on va le réaliser mais dans les codes constructeurs. Ensuite, je verrai ce que je ferai des pistons, peut-être qu'ils seraient utilisables. Les segments, eux, on va les changer, je pense. Enfin bref, ce moteur là on le met de côté pour l'instant. Et il ressortira dans une prochaine vidéo, dans un long moment, je pense. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez surtout à vous abonner parce que c'est important. Et puis moi, je vous dis rendez-vous dans l'épisode 4. Et là, enfin, on redescend dans le box. Et là, on va vraiment, vraiment commencer à bosser sur la MGTF. Et on va essayer d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et encore d'avancer jusqu'au premier coup de clé. Les amis, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao !